Notre-Dame d'Afrique, consolatrice des affligés, priez pour nous. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 25 août. Comme le faisaient les membres de la confrérie pieuse établie par le cardinal Lavigerie, dans la basilique de Notre-Dame d'Afrique à Alger en 1872, nous prions le dimanche pour tous les affligés qui se sont ou que l'on a recommandés. Nous dirons d'abord le « Je vous salue Marie », puis nous invoquerons Notre-Dame d'Afrique, consolatrice des affligés. Enfin, nous dirons la litanie des saints d'Afrique. Faites parvenir vos intentions de prière par courriel à l'adresse idpnotredamedafrique@gmail.com. Voici les intentions de prière de cette semaine. Pour qu'une dame trouve un logement. Pour une dame très âgée qui a dû quitter son domicile pour aller en maison de retraite. Pour les familles des 14 gendarmes tués et pour la quinzaine de blessés lors d'une embuscade dressée par des terroristes djihadistes à une dizaine de kilomètres de la ville de Tougane, dans la région de la boucle du Mouhoun, au Burkina Faso. Pour les habitants du quartier de Jikungu rural, dans la province de Bujumbura-Mairie, au Burundi, qui font face au choléra à cause d'une pénurie d'eau. Pour les habitants de Libreville, qui subissent des coupures répétées d'électricité en raison d'une dette due à la société Agreco qui fournit 30% de l'énergie consommée dans la capitale du Gabon. Pour les familles des au moins 28 passagers dont les corps ont été repêchés après le naufrage d'une baleinière sur la rivière Lukeni dans la province du Mai Ndombe en République démocratique du Congo. Pour les familles des victimes et tous les habitants des zones de Lukofu et de Kikovu dans la province du Nord-Kivu en RDC, suite aux attaques menées par les terroristes du M23. Pour les habitants du Tchad, victimes des inondations au cours de la saison des pluies. Pour que les dirigeants ukrainiens cessent de soutenir des groupes terroristes qui sont dans la mouvance d'Al-Qaïda et qui opèrent dans les conflits en cours dans différents pays du Sahel. Pour que la jeunesse française se libère de l'emprise du smartphone et de celle du cannabis. Pour que la sainte messe de toujours ne soit ni détruite ni dénaturée. Nous nous agenouillons pour les prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Notre-Dame d'Afrique, consolatrice des affligés, priez pour nous. Litanie des saints d'Afrique, deuxième paragraphe. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Reine d'Afrique, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous. Saint Joseph, Saint Pierre, Saint Marc, priez pour nous. Vous tous, saints d'Afrique, priez pour nous. Saint Agapus, Saint Eugène, Saint Célerin, priez pour nous. Vous tous, saints d'Afrique, priez pour nous. Saint Félix, Saint Prime, Saint d'Abitina, priez pour nous. Vous tous, saints d'Afrique, priez pour nous. Saint Arcadius, Saint Lucius, Saint Publius, priez pour nous. Vous tous, saints d'Afrique, priez pour nous. Saint Vérule, Saint Montan, Saint Victor, priez pour nous. Vous tous, saints d'Afrique, priez pour nous.
Saint Déogratias, Saint Héraclius, Saint Marcellin, priez pour nous. Vous tous, Saints d'Afrique, priez pour nous. Sainte Martienne, Sainte Restitute, Sainte Antonie, priez pour nous. Vous tous, Saints d'Afrique, priez pour nous. Sainte Macaria, Sainte Concessa, Sainte Crédula, priez pour nous. Vous tous, Saints d'Afrique, priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Nous nous relevons. Merci pour vos prières de consolation à l'égard des affligés. Je rappelle l'adresse pour envoyer les intentions de prière, idpnotredamedafrique@gmail.com. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, le 1er septembre, à 18h30. Encore merci pour vos prières. Bon courage à tous dans les épreuves. Au revoir.